We used to be so good together. Like Bonnie and Clyde, yeah, that kind of vibe. A love that couldn't last forever. Explosive ride, a dynamite. But now my heart's so heavy. You moved on with your life and left me out. I thought that we would last forever. Like Bonnie and Clyde. Baby, now I'm here in the flashing lights, drowning out my sorrows. Looking for someone in the neon lights who could make. Hello tout le monde! Tu devais continuer. Hello tout le monde! Be sure? Non! Bienvenue! Bienvenue dans cette toute nouvelle. Hello tout le monde! Bienvenue! Tu passes vraiment? Ouais. Vas-y. Hello tout le monde! Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo! Oh putain, je suis fat la joue. Bon, on est deux. Genre, je sais, gris. Gris loup. C'est parce qu'il y a la lumière. Alors, vas-y. Hello tout le monde. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. T'es une seule. Enlève-toi. Mais parle normalement. Hello tout le monde. Bienvenue. Elle est très bien, mon accent. Dis-le vraiment une fois. Ok. Hello tout le monde. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est samedi matin, là on va aller en ville avec Luca faire 2-3 trucs. Cet après-midi je vais aller m'entraîner, aujourd'hui je vais faire les jambes. Parce que jeudi soir j'ai pas du tout eu un bon entraînement, donc je vais rattraper ça aujourd'hui. Et puis demain normalement c'est mon jour de repos. Voilà. Et pour une fois je porte un jeans. Alors, je viens juste de terminer mon entraînement. C'est franchement super bien allé. J'ai pas filmé pour YouTube, par contre, j'ai filmé pour Instagram et je vais mettre ce soir sur Instagram. Donc, je vous mets le post ici et je vous mets le lien aussi dans la barre de description. Donc, vous pouvez vraiment voir l'entraînement en entier et le sauvegarder pour l'essayer aussi chez vous. Enfin, dans votre salle. C'est un long entraînement parce qu'aujourd'hui, j'avais vraiment beaucoup d'énergie parce que, en fait, on a recommandé de la citrulline et en fait je fais mon pré-workout moi-même, je vous l'ai déjà dit mais je vous le répète aujourd'hui parce que je ne digère pas bien, enfin disons que les pré-workouts déjà faits, il y a des édulcorants artificiels qui me donnent mal au ventre, du coup je le fais moi-même. Donc si jamais c'est 8 g de citrulline, 2,5 g de bêta-alanine et puis 100 ou 200 mg de caféine. Sinon je fais juste un petit peu du posing, bon j'ai pas mes talons mais je fais juste encore 5 minutes de posing et puis ensuite je vais rentrer manger. Je voulais aussi vous dire, j'ai oublié avant, j'ai aussi commandé de la leucine. Il y a Luca qui écoute la musique. Pour prendre en post-workout avec la créatine d'ailleurs. Parce que ça augmente la synthèse des protéines. Donc je vais prendre ça maintenant, une scoop, c'est 5 grammes. Enfin entre 3 et 5 grammes, une scoop maintenant. Et puis j'attends un petit peu, environ une demi-heure je crois avant de manger. Voilà, c'est un nouveau truc que je fais maintenant. Pour mes compléments alimentaires, donc à part le pré-workout que je prends pas tous les jours du tout, quand j'en ai besoin seulement, je prends justement de la leucine maintenant, créatine, ça n'a jamais changé, et je ne prends plus que de la coenzyme Q10 le matin et de la vitamine D parce que j'ai une carence en vitamine D, comme la plupart des gens d'ailleurs. Mais je prends plus rien d'autre en fait. Les probiotiques, j'ai arrêté, je vais faire une pause un moment parce que j'en ai pris pendant longtemps sans faire de pause. Et je vais voir si je vois une différence ou pas en fait parce que c'est franchement cher. Donc voilà. Corhard, ça fait un moment que j'ai arrêté. Et puis, qu'est-ce que je prenais d'autre? Je prenais un complément aussi pour les articulations, mais honnêtement, je mange tellement et tellement de gras, de bons gras en ce moment que je trouve que j'en ai pas forcément besoin non plus. Donc... voilà, ça me ferait un peu économiser de l'argent parce que ça coûte cher tout ça quand même. Ah, je prends juste le collagène le matin aussi, mais de chez
Nutri. Voilà, pour mes compléments alimentaires. Je vais vous mettre un résumé sur l'écran, comme ça vous pouvez screenshoter, parce que c'est peut-être pas très clair ce que je viens de dire. Alors je vais me préparer à manger, et là je suis juste en train de manger du fenouil avec du tahini dessus. Un truc comme ça. Donc c'est juste du fenouil avec un petit peu de tahini dessus et puis du sel. Et là ensuite je vais cuire encore du porc, des haricots et puis là c'est du riz que j'avais déjà cuit, du riz sauvage. Donc pendant que je cuis tout ça, je vais manger ça. Donc voilà mon assiette, donc là j'ai les haricots, dessus j'ai mis de l'huile de coco. J'ai mis aussi un petit peu d'huile de coco sur le riz et puis j'ai mis du sel et puis c'est tout. Voilà, voilà. J'ai rajouté encore un peu de ketchup, mais là les macros pour mon repas se montent donc à 43 g de protéines, 50 g de glucides et 20 g de lipides. Alors on est lundi, je viens d'arriver à la salle. Aujourd'hui je sais pas encore ce que je fais, je sais pas trop si je fais le bas ou le haut du corps, on verra. Par contre je vais de toute façon commencer par faire des handstands et puis faire les abdos. Donc voilà, on verra si je vous filme parce que voilà, on est lundi, il est 16h. Donc la salle va pas tarder à être pleine. Donc s'il y a trop de monde je vais pas filmer. Alors je viens juste de rentrer de l'entraînement, je me suis fait à manger, donc là j'ai comme d'hab du fenouil, du sel et du tahini. Et puis je me suis aussi fait une espèce de salade. Donc il y a de la salade iceberg, des tomates, des haricots blancs,
des crevettes, une sauce à base de yaourt de soja sans sucre, donc celui-là, le Alpro, du pesto, donc celui-ci, et puis des noix de cajou. Et puis donc dans tout ça, il y a 43 g de protéines, 31 g de glucides et 37 g de lipides. Alors, on est mardi, il est midi, là je vais me faire quelque chose à manger. J'irai à la salle cet après-midi parce qu'à 17h j'ai un rendez-vous pour faire un recourbement de cils. Donc voilà, je vais manger quelque chose maintenant puis aller à la salle vers 14h. Mais je voulais juste vous montrer ce que je me fais à manger parce que en fait j'ai vu la story de Stephen, donc mon coach l'autre jour. Il a fait des nachos et ça me donnait trop envie, donc je vais m'en faire aujourd'hui. Donc je vais vous montrer comment je fais ça. Donc tout d'abord, je vais utiliser des chips protéinés de chez Nutri. Pour éviter d'avoir des chips normales avec un peu trop de lipides, trop de glucides. Ces chips contiennent, donc pour le paquet entier, je crois que je vous l'ai déjà dit mais je vous le répète, 6 g de lipides, 8 g de glucides et 23 g de protéines. Et elles sont trop bonnes, donc je vais utiliser ces chips. Et puis ensuite, je vais juste mettre de la viande hachée, donc du bœuf normal, donc 15% de masse grasse, des haricots rouges, un poivron et puis du fromage, donc simplement du gruyère. Donc voilà, je vais vous montrer comment je fais ça. Donc je vais tout d'abord cuire le bœuf. Là j'ai 300 grammes mais je veux pas tout, donc je vais cuire seulement 100 grammes. Je vais mettre du cumin, du paprika. Pendant que ça cuit, je vais aussi couper le poivron et j'ai aussi préchauffé le four à 220 degrés. Donc juste si jamais, je n'ai absolument jamais fait ça, je suis totalement en train d'improviser, donc on verra ce que ça donne. Donc là, le bœuf est cuit. On va mettre de côté. Donc là, je coupe le poivron en petits dés. J'ai goûté les haricots rouges et je vais prendre seulement 100 grammes, je pense, on verra. Je vous dis ça tout de suite. Ok, j'ai pris 100 grammes de haricots rouges. Puis maintenant, on va assembler tout ça. Oups. Donc je prends un plat à gratin. On va mettre les chips dedans. Vous voyez pas ma tête? Voilà, et puis là on va ajouter tous les autres ingrédients dessus, donc les poivrons, les haricots, la viande, je vais encore ajouter du fromage. Voilà, donc j'ai mis 40 grammes de fromage encore. Là, je vais juste mettre au four, je pense 10 minutes. On verra. Ok, donc pour résumer, j'ai 50 g de chips, j'ai mis 100 g de haricots rouges, 100 g de viande hachée, 70 g de poivrons et 40 g de gruyère. Et donc pour tout ça, j'ai 60 g de protéines, 24 g de glucides et 32 g de lipides. Donc c'est très 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 riche en protéines tout ça. Donc finalement je vais laisser que 5 minutes. Voilà. Ça sent trop bon en tout cas. C'est trop bon. Bon appétit. Franchement je pensais pas que ce serait aussi bon. Mais c'est incroyable. C'était un 10 sur 10. N'hésitez vraiment pas à essayer ça. Et puis ce soir, je vais encore faire une pizza. Ouais, c'est ma journée nachos pizza, super, mais
j'ai envie d'essayer des trucs ces jours, donc je vous montrerai encore la pizza, c'est sympa. Alors je vais aller m'entraîner maintenant, je voulais juste encore vous dire, j'ai reçu des nouvelles de Stéphane hier, et cette semaine aucun changement par rapport au macro ni au cardio, donc je vous répète, je suis à 175 g de glucides, 150 g de protéines et 100 g de lipides, et je fais aussi 3 fois 30 minutes de cardio par semaine. Par contre il m'a ajouté un repas libre dans la semaine, donc maintenant j'ai 2 repas libres par semaine. Alors cet après-midi, donc je me suis entraînée, j'ai fait le dos, j'ai rien filmé, j'ai fait aussi mon cardio. Ensuite je suis allée faire mes cils, donc un recourbement de cils, je pense que vous voyez, peut-être, je sais pas. Bref, et là en fait je suis en train de faire mes pizzas. Donc j'ai décidé de faire des pizzas parce que j'ai reçu cette pâte de chez Nutri. C'est de la pâte à pizza qui est faite avec des graines de lin, de la farine d'amande et des graines de chia. Donc pour 100 g de préparation, il y a 16 g de lipides, seulement 4 g de glucides et 31 g de protéines. Donc c'est de la pâte à pizza très riche en protéines. Et en fait, ils disent sur le paquet d'utiliser 90 g de préparation pour faire une pizza. C'est ce que j'ai fait pour la pizza Luca, donc je l'ai fait ici. Et pour la mienne, j'ai utilisé seulement 60 g de préparation parce qu'en fait, j'avais trop de protéines sur ma journée, donc j'ai utilisé moins de préparation que ce qu'ils recommandent. Donc il faut juste mélanger avec un petit peu d'eau. Ensuite ça fait une pâte, il faut la pétrir, ça fait une boule. Et puis ensuite on l'étale simplement sur du papier sulfurisé. Et puis là je vais les mettre 15 minutes au four à 180 degrés. Et ensuite je vais mettre des trucs dessus et je vais les remettre au four. Je viens de sortir les pâtes du four. Là j'ai déjà garni de sauce tomate et de fromage. Je vais encore ajouter du jambon. Donc voilà, sur celle de Luca, j'ai encore ajouté un œuf. Puis là, je vais les mettre encore au four 15 minutes. Et donc voilà, les pizzas sont prêtes. Pas mauvais du tout. C'est quand même un comble d'utiliser une pâte à pizza comme ça pour un fils de pizzaïole. Mais écoute, ça va. Alors on est mercredi mais je me rends compte que la vidéo est déjà bien assez longue, donc je vais terminer la vidéo ici. Dans la prochaine vidéo je vais vous donner mes diet hacks, donc c'est-à-dire mes astuces lorsqu'on essaye de perdre du poids pour rendre en fait tout ça un peu plus facile, un peu plus agréable. Et puis il y aura aussi ma journée d'anniversaire, je vais vous montrer tout ce que je vais manger durant ma journée parce que demain je ne compte absolument rien compter. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se voit dans la prochaine vidéo.